la question donc du, euh, des discours intérieurs, euh, une autre chose qui est alors extraordinairement intrigante, euh, chez, chez les, dans les groupes givaro, euh, c'est l'existence d'un genre discursif très particulier et très paradoxal euh, que Philippe, qui s'appelle des anentes. Euh, le terme vient du, du, du mot qui désigne le cœur, euh, qui est en fait le siège des, de la pensée, des émotions, etc. Euh, le, et que Philippe dans, appelle les discours du cœur dans, dans Les Lances du crépuscule. Euh, ces anènes sont un, un genre discursif, quand même très particulier, parce que, en principe, ils ne sont jamais récité à haute voix, jamais énoncé à haute voix, et ils ne sont pas, à strictement parler, entendus. Donc, ils agissent directement sur l'intériorité d'autrui, mais sans qu'ils l'entendent et sans que le chant soit énoncé à haute voix. Et c'est même une condition pour son efficacité. Néanmoins, euh, ces chants sont... Euh, relativement standardisée, joue un rôle énorme dans la vie des Acheours euh, parce que c'est une technologie de d'influence, de modification des sentiments d'autrui, absolument essentielle. Euh, elle sert à la chasse, elle sert dans l'horticulture, elle sert euh, dans la vie conjugale, dans la vie amoureuse, euh, elle sert pour tout. Euh, et tout individu adulte en connaît en principe des centaines et est capable d'en réciter des centaines. En réalité, il y a probablement une part importante d'improvisation, mais le principe, c'est que ces chants ne sont jamais créés par celui qui les énonce. Il les entend en rêve, elles lui sont transmises en rêve, et elles ne sont donc pas des instruments de communication. Intentionnel dépend de la volonté euh, inventée ad hoc, si j'ose dire, pour euh, agir sur autrui. Ce sont des moyens, mais ce n'est pas euh, moi qui les invente. Et, euh, et donc euh, l'idée, c'est. Euh, on, on peut enregistrer on peut solliciter euh, les atchouas pour qu'ils vous chantent. Des, des chants euh, sans trop de difficultés pour la bonne et simple raison bien que en principe on ne les entende jamais pour la bonne et simple raison que à partir du moment où on les dit à voix haute et dans des conditions hein, ça n'a aucune efficacité euh, et c'est la condition d'énonciation qui fait que on peut c'est une copie c'est un ersatz c'est pas la vraie chose donc du coup aucun problème pour les enregistrer. Euh, on en a évidemment enregistré des centaines de ces trucs et ils sont extraordinairement euh, intéressants. Et c'est donc à l'analyse euh, de la pragmatique très très compliquée euh, investie dans cette idée d'une forme de communication muette, non entendue, etc. Et qui évidemment touche énormément la question de qu'est-ce que c'est que l'intériorité puisqu'ils agissent directement sur ce qu'on appelle le... Le, le terme indigène, c'est wakan, le, on, on le traduit classiquement par l'âme, le, l'esprit, euh, qui est le terme qu'on donne à la représentation de l'intériorité, en gros. Mais c'est une définition beaucoup trop simpliste. Euh, toujours dans l'analyse genre, dans, dans, euh, des genres discursifs, euh, autre chose qui est très impressionnante chez, chez les choix le, dans tous les groupes Givaro, c'est <coughs> ce qu'on appelle les discours cérémoniels, dont on en a beaucoup vu, et ça a un peu disparu, mais ça existait encore beaucoup à l'époque où nous avons fait notre terrain, quand deux hommes qui ne se connaissent pas intimement se rencontrent euh, ou viennent se visiter, ils se livrent obligatoirement à cet exercice du discours cérémoniel qui est une sorte de confrontation agonistique extrêmement spectaculaire, euh, très 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 codifiée et manifestement extrêmement agressive. Euh, c'est une démonstration de force. Euh, alors, en, éthologiquement, d'une certaine façon, c'est très très bizarre. Parce que voilà deux personnes... Qui font un grand numéro de confrontations agonistiques, mais qui est coordonné au millimètre. Autrement dit, il faut qu'ils soient d'accord euh, pour le faire. Et il faut un accord millimétrique, parce que c'est une espèce de chorégraphie discursive très, très, très compliquée, qui suppose un, des jeux de basculement euh, très, très bien maîtrisés. C'est un exercice extrêmement difficile. Euh, les jeunes gens mettent très longtemps à le maîtriser on les entend en forêt s'exercer à faire des discours cérémoniels euh, quand ils sont adolescents mais ils n'osent le faire euh, réellement que quasiment quand ils sont déjà mariés et en tout cas euh, considérés comme des adultes euh, et encore euh, Donc voilà une forme de, une, un genre discursif qui a évidemment tout pour euh, susciter beaucoup de curiosité. Et en fait, je m'aperçois effectivement, rétrospectivement, que pour moi, le déclencheur d'une production scientifique, euh, c'est pas, comme je l'ai dit, un, un projet à longue haleine, c'est toujours, outre une sollicitation extérieure, une, un, un paradoxe, un, quelque chose qui tout d'un coup m'apparaît comme un foyer, une énigme. Euh, ça, c'est vraiment le, le, le déclencheur. D'où ce côté un peu, à la fois, il y a une continuité évidemment parce que ça touche quand même un peu toujours autour des mêmes problèmes et en même temps complètement hétéroclite, si j'ose dire, <laughs> euh, et pas chronologiquement suivi de de mes de mes, de mes productions euh, scientifiques. Euh, du coup, la question de, des influences théoriques que j'ai pu subir euh, ou incorporer ou vivre euh, mérite peut-être quand même quelques, quelques mots. Je le, comme je le disais, je suis clairement un esprit structuraliste, euh, mais je le suis de manière intuitive et spontanée. Euh, C'est ma tournure d'esprit. Et euh, comme quoi ça montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir la tournure d'esprit pour être les vis mais enfin bon. Euh, le, du coup, j'ai jamais eu le sentiment d'appliquer. Une théorie ou une méthode, etc. Je vais dans un certain sens parce que je ne peux pas faire autrement, littéralement. Cela dit, euh, ma manière de faire du structuralisme a été modulée, infléchie par un certain nombre d'influences, clairement. Euh, le Strathern a été une influence importante pour moi, euh, notamment. En... Elle aussi, c'est une obsédée des relations, évidemment, euh, comme, comme Lévi-Strauss, comme moi, mais elle ajoute, elle a ajouté quelque chose de absolument, évidemment, central, c'est la relation à l'ethnographe. C'est que tout euh, implique nécessairement une forme, une morphologie particulière de relation avec, avec celui qui parle, avec l'ethnographe et sous des formes évidemment démultipliées. L'ethnographe lui-même en relation avec son lecteur, avec ses informateurs et ainsi de suite, en abîme. Et c'est cet art de l'encastrement en abîme des relations impliquées dans n'importe quel type de traduction ethnographique euh, qui, qui m'a beaucoup qui a été important pour moi clairement, et que j'ai en partie intégré évidemment euh, autre influence euh, importante c'est Roy, Wa Roy Wagner euh, The Invention of Culture est un livre affreusement difficile mais qui m'a beaucoup marqué et d'autres écrits un peu plus faciles d'ailleurs euh, éventuellement de Wagner mon mon cette espèce de L'idée d'ailleurs reprise par, euh, et développée et sous une forme un peu différente par Viveros de Castro du malentendu comme instrument d'analyse ethnographique, c'est Wagner en réalité. Et Wagner et Strathern, euh, les deux, plus évidemment après euh, l'influence qui a été aussi énorme sur moi de Viveros et de Castro, euh, m'ont fait. Et aussi, je vous ai parlé de ce petit euh, collectif de réflexion que je formais avec Michael, Marika et, et d'autres. Euh, la question m'a fait prendre conscience euh, que mon structuralisme, si j'ose dire, pouvait devenir d'autant plus riche que je prenais en compte, que j'intégrais pleinement. La différence entre un rapport et une relation, chose que Lévi-Strauss lui-même ne fait pas. Bien que implicitement, il y a des moments où bien évidemment il le fait. Mais formellement, un rapport conceptuel type chaud froid et une relation, c'est deux choses complètement différentes. Enfin, euh, c'est une modulation spécifique du rapport. Et c'est une modulation en ce sens que... La différence, c'est que elles sont constamment en train de se moduler l'une l'autre. Euh, le, les deux termes sont en interaction dynamique permanente. C'est ça la différence entre un rapport conçu comme un rapport conceptuel et un rapport conçu comme une relation. Et ça, ça a été évidemment quelque chose de très important, euh, très tout à fait central. Euh, tout à fait central pour moi, comme pour euh, évidemment d'autres euh, euh, qui ont subi un peu les mêmes euh, ou qui se reconnaissent dans la même filiation. Euh, Viveros de Castro, évidemment, a été euh, une importance, euh, a été une, une influence théorique, et continue à l'être D'ailleurs, euh, on a travaillé pas mal ensemble. On a écrit un texte ensemble, celui sur euh, qu'est-ce qu'un corps, qui est un long, un long chapitre. Qui synthétise un peu euh, la question du multinaturalisme et du statut, euh, de ce que ça change à l'idée de corps euh, du point, euh, quand on l'envisage du point de vue du multinaturalisme perspectiviste, et euh, qui approfondit un peu la question de, du coup, euh, des implications de ça, en particulier, euh, qu'est-ce que euh, la question d'où viennent les formes, euh, la question de, euh, y a, en particulier s'il n'y a pas de nature, s'il n'y a pas de machinerie comme la nature susceptible de produire des nouvelles formes, ça vient d'où Donc la question de les espèces conçues comme des stocks. Euh, endroits limités de potentialité d'incarnation, d'où justement l'importance de la chasse aux têtes. C'est une des raisons derrière ça, c'est que les espèces ont des capacités d'incarnation limitées. On vit sous le régime de la rareté vitale en Amazonie, et donc du coup, euh, les espèces sont en compétition les unes avec les autres pour se reproduire. Euh, les corps sont. l'interaction entre les corps, est, au fond, sont conçus comme une sorte d'amplification métaphysique de la notion de chaîne trophique. Euh, tout le monde se nourrit les uns des autres. Et donc, euh, la question de où on est dans la chaîne trophique euh, détermine complètement la manière dont on, on est perçu par les autres et dont on perçoit les autres, d'où la question du multinaturalisme de la, du jeu entre prédation, la position prédateur, la position proie, la position congénère qui est la position en fait des parents des, des parents sans charge, euh, j'entends. Euh, d'autres euh, euh, alors évidemment, euh, j'ai toujours écrit en dialogue constant, avec mes collègues euh, américanistes, en particulier avec ceux de l'école brésilienne, euh, Carlos Fausto, euh, Aparecida Villassa, euh, d'autres. Sur un plan plus général, autre, un plus, autre influence euh, ou style d'approche, je préfère parler de style d'approche, parce que c'est vraiment dans ces termes-là que je l'envisage plutôt que de théorie. Puisque, comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout un rapport analytique, d'une certaine façon, à la théorie. Ce qui m'amène à... Ce qui m'influence, c'est un mode, c'est un style, euh, plus qu'un outil <laughs> euh, conçu comme tel. Et dans les styles d'approche, euh, évidemment, euh, Bruno Latour a été... Une importe, euh, a été Quelque chose de très important, style très très particulier, qui du coup permet un regard complètement différent sur les choses. Tout ça, c'est ce que j'appelle des théories ou des styles, c'est des, des ouvreurs de regards nouveaux, c'est des, des convertisseurs de regards. Euh, la tour en est incontestablement un. Philippe, Aboué de mon mari, c'est aussi <laughs> une. une euh, et en particulier, à partir du moment où il a commencé à travailler, à développer euh, l'hypothèse euh, qui est au cœur de son ouvrage euh, par Par-delà nature et Culture, euh, c'est quelque chose qui, que je trouve heuristiquement extraordinairement utile. Euh, ça marche! <laughs> Pour moi ça marche pour moi donc ça aussi c'est quelque chose que, que je me suis en partie euh, approprié que j'utilise dans mon propre travail